Good morning, Ali. Je suis aujourd'hui le Nishmat François Régime. Rana, j'ai une rue de Batfort de Mazen. Frédéric Lot, Shalom, Bobel Shalom et Ishaya Beninda. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions ma serrette PA, Perek Zain, Mishnah Zain. Kerem Shekulo Olelot. Rabbi Lezer Omer le Balabait. Rabbi Akiva Omer la Anim. Amar Benezer. Kitiv Tsor, Lote Olel. Imen Batsir. Minaen Olelot. Amar Rabbi Akiva Vecharmecha. Lote Olel. Afilu kolo olelot. Il y a la manne emar qui tivtsor lote olel. En la nim ba olelot. Kodem abatsir. On continue avec les dinim de olelot sur le kerem, sur la vigne. Lorsque tu as un vignoble, que... alors cette fois-ci avec un cas de kerem chez kolo olelot. J'ai planté des vignes chez moi. Et ce qui se passe, c'est que. Il m'a fait que des tiges où il y a dedans des olélotes. J'ai aucune grappe de raisin. Mon kérem, c'est sorti entièrement des olélotes. Est-ce que j'ai le devoir de laisser les olélotes ou pas? Parce que si tu laisses les olélotes, tu laisses tout, quoi. Tu prends rien pour toi. C'est la marloquette qu'on a. Kérem chez Koulo olélotes. On a un kérem, une vigne qui t'a fourni que des olélotes. Toutes les branches qui sont sorties, elles sont des olélotes. Rabbi Eliezer, Omer, les balabait. Rabbi Eliezer me dit, tu sais quoi, tu as le droit de prendre tout pour toi, tu donnes rien pour les pauvres. Rabbi Akiva Omer l'anime, Rabbi Akiva me dire ma pitom, tu laisses tout pour les pauvres. Chacun va se justifier. Amar Rabbi Eliezer, il lui rétorque Rabbi Eliezer, qui t'il sort l'ote olel, imen batsir, minayin olelot. Le pasuk qui me dit, qui t'il sort lorsque tu vendangeras, tu feras les vendanges de ta vigne, l'ote olel, tu prendras pas les olelot. Mais si jamais imen batsir, si t'as rien à cueillir, alors il n'y a pas de olelot. C'est quand tu cueilles que tu dois laisser l'olélot. Mais si tout est des olélotes dont tu viens rien cueillir, il n'y a plus de devoir de laisser l'olélot. D'accord? Et Marlon Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, il me dit, non, pas du tout, il y a un autre pasouk, hein, de parachat de Chumash de Varim, et l'autre de Chumash de Vaikra. Vecharmecha lote olel. Ta vigne, tu ne prendras pas toutes les olélotes. Comme ça, il déduit du pasouk. Afilu kol olélot, même si toute ta vigne, c'est entièrement que des olélotes. Dans ce cas-là, Imken Laman Emar, d'accord. Donc chacun a son pasouk. Et Rabbi Akiva, comme la lacha est retenue comme Rabbi Akiva, donc la Torah va nous, la Mishnah va nous préciser maintenant qu'est-ce que Rabbi Akiva va faire du pasouk de Rabbi Eliezer. Et dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire Kitiv Tsor l'Oterolel, lorsque tu feras les vendanges, alors que tu ne rendras pas les Olelot. Alors Imken Laman Emar Kitiv Tsor l'Oterolel, pourquoi ce pasouk il a été dit? Qu'est-ce que je déduis de ce pasouk? La Mishnah me dit. En l'anim ba'olelot kodem abatsir. La Mishnah est venue m'apprendre que tu n'as pas de devoir de laisser les anim n'ont de droit sur les olelot, n'ont pas de droit sur les olelot avant les vendanges. Soit, en fait, c'est vrai que les olelot qui poussent, je dois les laisser pour les pauvres, mais un pauvre il n'a pas le droit. Maintenant, si je décide que maintenant je vais faire les vendanges de ma vigne, dans 10 jours, le pauvre peut dire, moi pour le moment, viens, moi je prends déjà ce qui me revient de droit. Il n'y a rien qui te revient de droit. Tant que ce n'est pas moi qui commence à donner le feu vert, ça ne t'appartient pas encore. Plus précisément, on apprendra peut-être plus dans une chose, que concrètement, ça appartient au pauvre, ça appartient pas à moi. On a même déjà vu le sujet. Ça appartient au pauvre, ça appartient pas à moi. Mais, ça appartient au pauvre, mais il n'est pas en droit de venir le cuire tant que moi, je n'ai pas décidé de cuire ma propre vigne. D'accord? Et voilà. Donc on retient maintenant. Et la halakha est retenue comme Rabbi Akiva. Donc pour les deux halakhot, d'une part, si tu n'as que des olélot dans ton champ, tu dois quand même laisser les olélot, tu les laisses entièrement. Et si, et à part ça, une autre halakha, donc, que les olélot n'appartiennent aux pauvres que lorsque toi tu commences tes vendanges, ta vendange, alors le pauvre a le droit de venir chercher ses olélot. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.